Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, voilà, j'ai reçu un petit paquet. Alors, ce paquet ne vient pas de chez Amazon. Ce paquet vient de très loin. Voilà, il vient de... Alors, si je me trompe pas, il vient d'Ukraine. Voilà, Ukraine, enfin c'est à côté de la Pologne. C'est un livre de coloriage, bien sûr. Vous l'avez vu dans le titre. Et c'est un livre de Clara Markova. Voilà, donc c'est... Bon, j'ai mis les étiquettes pour pas qu'on voit les adresses. Ah oui, bien sûr, là c'est on le voyait à l'envers. Je vais vous le remontrer face bureau. Donc, sur le carton, c'est bien marqué Clara Markova. Et donc, j'ai laissé l'emballage. J'ai juste enlevé les scotch pour que ce soit plus facile pour vous montrer que c'est super bien emballé. Voilà, malgré le long voyage que ça a fait. Donc, je vais vous mettre face bureau. Ce sera plus facile pour que je vous présente ce joli livre. À tout de suite. Alors, nous voici face bureau. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voyez, Clara Markova. Alors, par contre, je vous ai dit Ukraine, mais je me suis complètement trompée sur le pays, mais c'est dans le même coin. C'est la République tchèque. Voilà. De toute façon, ça doit être dans le même coin. Alors. Voilà, donc c'était, vous voyez, en plus le carton n'a pas du tout été abîmé. Hop. Alors, j'essaye de faire pour que vous voyez au mieux le déballage. Hop, 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 on va reculer. Voilà. Alors, en premier, j'ai une petite carte. Comme ceci, une carte postale, voyez, donc à colorier, qui était en cadeau, elle est très jolie. Alors, toujours bien emballé. Oh là, excusez-moi, je vous fais bouger, mais c'est vrai que regardez, s'il n'y avait plus rien, non. Donc, du papier bulle, je vais enlever tout ça pour que vous voyez mieux le livre. Voilà, Fairy Celebration. Alors, attendez, j'enlève tout ça. Hop, hop, hop. Voilà le livre, et il est encore emballé sous blister. Donc, on va enlever le blister sans abîmer le livre. Vous voyez, vraiment, il n'y a aucun souci sur l'envoi, sur l'emballage. Je vais vous remettre. Donc voilà le livre qui est magnifique. Les écritures en doré. Et voilà. Là, pareil, dans les dessins, il y a du doré. Vraiment très très beau. Là, pareil, sur le côté, c'est écrit en doré, Fairy Celebration, Clara Markova. Et derrière, on a encore un joli dessin. Bon, là, c'est écrit en anglais. Alors, je vais bien régler le télé.
le téléphone pour qu'on voit bien. Non, voilà. Ce que je veux qu'on voit au mieux. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais le découvrir avec vous. Ah, oh, mais j'ai encore des petits cadeaux. Une jolie image. Avec la signature de l'illustratrice. Ah, mais c'est un autocollant. Un petit autocollant. Et encore ici, alors ça je sais que c'est un marque-page. Enfin, beaucoup disent que c'est un marque-page, s'en servent comme marque-page pour les livres. Voilà, donc à colorier. Et derrière, on a la liste des autres livres. Voilà. Donc, voilà les petits cadeaux. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la petite carte postale. Donc, je suis contente, j'ai bien les petits cadeaux. Alors. Alors, l'épaisseur des pages. Sont bien épaisses, elles sont bien lisses, donc je pense que ce sera bien pour tous les crayons. L'aquarelle, je pense que ce sera bien aussi. Bon, je ne sais pas si je vais me servir de l'aquarelle pour ce livre, mais on verra. Les feutres, je verrai aussi, peut-être sur certaines petites parties. On verra au fur et à mesure que je ferai les dessins. Peut-être pour des gel pen par-ci, par-là. Voilà. Donc, la page de garde à colorier également. Donc celui-là, le livre date de 2019. Je vais vous laisser découvrir maintenant en musique les dessins de ce livre.
Voilà, je vous ai fait découvrir donc un des livres de Clara Markova. J'espère qu'il vous a plu. Bon, c'est encore un univers, là c'est un univers un peu féerique, enchanté. Donc c'est encore quelque chose d'autre que de ce que je fais d'habitude. Là c'est un peu les fées, il y a encore des lutins, il y a un peu de toutes sortes comme ça. Donc vous voyez qu'il y a quelquefois beaucoup beaucoup de détails à faire. Donc ça c'est une caractéristique des dessins de Clara. Ses dessins sont toujours beaucoup chargés. Donc il y en a qui sont là, ça va encore, on va dire. Mais on en a qui sont vraiment, vraiment chargés. Les doubles pages, par exemple, comme celle-ci que j'ai vue. Voilà, par exemple, vous voyez, une double page comme ça. Vous voyez, là, c'est extrêmement chargé. C'est un seul dessin. Donc, il faut y aller. Par exemple, on va commencer par les fleurs et faire toutes les fleurs qu'il y a dans le dessin. Là, par exemple, vous voyez, partout, il y aura des fleurs. On va faire toutes les fleurs. Après, on va faire toutes les feuilles. Voilà, pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas oublier quel crayon on a utilisé pour les faire. Voilà. Une fois qu'on aura fait les feuilles, les fleurs, les branches, ici, les petites boules qui sont par terre. Voilà, vous voyez. Une fois que tous ces petits motifs seront faits, on va pouvoir s'attaquer là, par exemple, à la souris, à la danseuse. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faudra travailler sur ce genre de dessin. Et terminer par le fond. Si bien qu'on puisse en faire un. Voilà. Mais là, bon, il y a quand même de l'herbe à faire ici quand même, voyez. Là, on va en avoir encore à faire. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que les dessins de Clara, voyez ici, c'est pareil. Là, il y en avait un, je crois, un grand de... Celui-là est quand même bien, bien chargé également. Donc là, ce qu'on va faire, on va peut-être faire d'abord toutes les petites baies. Voilà, toutes les baies en premier. Après, on fera les feuilles des baies. Après, on fera les champignons. Voilà. Voilà comment il faudra travailler ce genre de dessin. Voilà, une double page encore ici qui est pas mal. Donc pareil, là on va travailler d'abord les baies, les feuilles des baies. Voilà. Donc en voyant qu'ici ce ne sont pas les mêmes, hein. Donc il faudra faire attention de ne pas mettre les mêmes couleurs. Et après on a tous les monsieur pain d'épices, il y en a un petit peu partout. Donc voilà, donc c'est les coloriages de Clara Markova, ce sont de très jolis coloriages, mais il faut beaucoup, beaucoup de patience pour les faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour le retrouver. Donc, vous pouvez le retrouver, c'est dans la boutique Etsy. Voilà, c'est sur cette boutique-là qu'elle les vend. Alors, ça vient de loin. Donc, là, il y a des frais de port, hein, c'est pas comme sur Amazon, hein, bien sûr.
Donc le livre par lui-même, moi je l'ai payé combien? Je ne sais plus. Alors attendez. 25,60 € et niveau frais de port, j'ai payé, si je ne me trompe pas, 11,90 €. Voilà, donc bon. Vous allez dire les frais de port sont élevés, mais c'est normal. Puisque ça, oui, voilà, 11,90 €, puisque ça vient quand même d'assez loin. Tous ces livres sont à peu près au même prix. Il y en a donc 25,60, 27,40, 23,90, 23,90, 23,90 encore. Et après, il y a aussi ces cartes. Voilà, il y a le lot de cartes qui est à 25,60 €. Voilà. Donc en tout, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 livres et les cartes. Donc moi, un petit peu à la fois, j'essaierai de prendre les 5 livres. Donc il m'en restera 4 à prendre. Mais bon, vu le prix, je ne vais pas les prendre tout de suite. J'en prendrai un de temps en temps. Mais bon, là, je verrai peut-être à la rentrée en septembre de m'en reprendre un et puis on verra. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien de sa boutique sur Etsy et je vous mets le lien également pour avoir directement ce livre-là. Donc, vous ne pouvez pas, donc, je vous dis, les trouver sur ailleurs hein, et vous ne pouvez pas non plus les trouver sur Amazon. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se fait de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée parce que là, il est tard. Il est quelle heure? Ouais, il est presque 10 h du soir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et très vite pour un coloriage sur ce livre. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.